Les preuves historiques indiquent que l'industrie du verre remonte à l'an 2000 avant Jésus-Christ. Dès lors, le verre est utilisé à des fins multiples, dont la vie quotidienne. Il est utilisé dans la fabrication des récipients, des matériaux et des outils décoratifs, y compris les bijoux. Le verre a aussi ses applications industrielles et architecturales. En fait, les fabricants asiatiques étaient les premiers à établir l'industrie du verre. Celle-ci a déménagé en Égypte. La première verrerie remonte au règne du roi Thoutmôsis III entre 1504 et 1450 avant Jésus-Christ. Elle a fait un travail remarquable pendant la période des pharaons et des rois ptolémaïques et a continué à l'ère islamique où des verriers musulmans ont développé de nouveaux styles et de nouvelles techniques. L'industrie du verre a atteigné de nouveaux niveaux de raffinement. Il était normal que les verriers de l'islam ont hérité des techniques de leurs ancêtres. Les musulmans ont développé la verrerie dans les pays qu'ils ont conquis et lui ont accordé beaucoup d'intérêt, car ils en avaient besoin de récipients en verre pour préserver les parfums, les boissons et autres. L'industrie du verre a fait des progrès remarquables à l'époque ayyoubide. Thank you.
L'industrie du verre en émail d'oreille considérée comme l'un des plus beaux genres de verre de l'époque islamique prospère également. À l'époque mamelouque, les verriers en Égypte et au Levant ont hérité des traditions artistiques de cette industrie et ils ont fait de grands progrès. Ceci en évident dont les objets en verre mamelouk fabriqués dans ces deux pays. Les verriers mamelouks produisaient divers artefacts en verre, niches, bouteilles, cruches, bols, tasses, flacons, assiettes, pots et vases de tailles différentes. Les méthodes industrielles et décoratives utilisées dans la fabrication de ces chefs-d'œuvre en verre varient également entre la décoration à l'émail et à l'or ou la décoration avec des cordes de verre de différentes couleurs ou ce qu'on appelle le verre coloré ou le marbre.
Outre ces objets en verre étaient ornés de toutes sortes de décorations connues à l'époque et répandues dans divers autres arts mamelouks, appliqués comme les dessins d'animaux, d'oiseaux, les motifs floraux géométriques et les inscriptions qui avaient la prédominance dans ce type d'art appliqué. Faisant fondre du sable oxyde de silicium après l'avoir mélangé avec certaines proportions de calcaire, carbonate de calcium, de carbonate de sodium et d'autres oxydes. Ce mélange était par la suite formé par soufflage et dépendait de l'habileté du fabricant. Celui-ci ramassait le morceau de pâte avec un tube métallique, soufflé dans l'ouverture du tube, ce qui fait que le pâte gonflait et se transformait en un cylindre qui prenait la forme à laquelle était destiné. Thank you.
verre a atteigné son apogée à l'époque mamelouque, où la fabrication des niches, camouflées en émail, était la fierté des musulmans. La niche dont la langue signifie le récipient externe, dans lequel est placée la lampe pour préserver la flamme des rafales de vent et pour convertir cette flamme en une lumière qui se propage dans tout l'endroit. Quant à la lampe placée à l'intérieur de la niche, elle était sous forme conique et est également en verre fixé à l'intérieur de la niche au moyen d'un support de fil fixé au rebord de la niche de l'extérieur. Quant à la niche, elle était accrochée par les poignées qui étaient rattachées de l'extérieur par des chaînes métalliques en cuivre ou en argent, rassemblées au sommet par une boule ronde ou ovale généralement fabriquée en verre ou en porcelaine, et se terminant par une chaîne fixée au plafond. La niche mamelouque prend la forme d'un pot de fleurs avec un corps tombé surmonté d'un col annulé. Chaque fois qu'il monte, elle se termine par une large bouche et une base haute de forme conique. Il y a aussi une autre forme de niche mamelouque qui prend la forme d'un pot de fleurs avec un corps tombé et une base basse. Thank you.
Un grand nombre de nichons verts mamelouks décorés d'émaux multicolores et parfois de dorures sont arrivés répartis parmi les musées internationaux et les collections privées. Le musée d'art islamique du Caire possède la plus grande collection de niches de l'époque mamelouque. Les décorations apparaissent sur les artefacts métalliques contemporains et sont influencés par le style chinois apparu avec l'émergence des Mongols. Les décorations des niches comprennent des inscriptions arabes en grosses lettres ainsi que des motifs végétaux et des expressions naturelles d'origine chinoise fleurie. Ce qui a progressivement remplacé les formes décoratives abstraites et si en lente liberté, dont la manière de dessiner les sujets décoratifs dû à l'influence du style chinois.